Céleste, c'est encore une merveilleuse grâce, opportunité que tu nous accordes d'être en vie en ce jour, de pouvoir nous approcher de ton trône de grâce vers lequel tu nous invites à venir avec assurance. Père éternel, nous sommes là en ce jour pour écouter ton conseil. Merci d'éloigner toute confusion et distraction et que toute la gloire te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse tous au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prenons la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 6. Nous ferons la lecture du verset 12 au verset 13. Je suis dans l'édition de Louis II. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Que toute la gloire, une fois de plus, soit rendue à Dieu seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Toujours allant dans la même lancée que l'édition précédente, qui a pour but de nous maintenir éveillés spirituellement, je viens par le biais de cette édition rappeler à un ou une bien-aimée qui m'écoute en ce jour la place du spirituel. Bien-aimé, le spirituel occupe une énorme place dans la vie d'un enfant de Dieu. Car c'est du spirituel, comme j'ai l'habitude de le dire, que tout part. Si tu négliges ta vie spirituelle, tu en ressentiras tôt ou tard les effets dans ta vie physique. C'est une certitude. Ayant accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons devant Dieu notre Père des responsabilités non négligeables si nous voulons lui plaire. Paul nous exhorte dans Romains 12, versets 1 à 2, il dit « Par les compassions de Dieu à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. » Il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimé, dans ces versets connus, Paul nous exhorte à nous offrir entièrement à Dieu, comme sacrifice, comme offrande, à mener des vies de consécration totale. En d'autres termes, en tant que sacrificateurs que nous sommes, nous aussi dans la nouvelle alliance dans laquelle nous nous trouvons, puisque nous devons offrir à Dieu un culte raisonnable, non plus avec des sacrifices d'animaux immolés, mais sacrifice spirituel d'une vie complètement donnée, livrée à Dieu. Il est donc de notre responsabilité en tant que sacrificateur d'entretenir sur ces autels que représentent nos cœurs le feu. Bien-aimé, ce feu spirituel que Dieu a lui-même allumé en nous à la nouvelle naissance. Constamment conscients, nous devons être que de la même manière que Christ est mort pour nous, nous aussi, en tant que croyants, enfants de Dieu, nous devons vivre pour lui. Sans se conformer, sans ressembler au monde, le croyant authentique devrait être un anticonformiste au monde, à son système de pensée, à ses styles de vie qui s'oppose à Dieu. Je souligne encore 1 Jean chapitre 5 verset 19 qui nous dit que le monde entier se trouve sous la puissance du malin. Bien-aimé, ce monde rejette Dieu et possède ses propres voies qui, elles, sont anti-Dieu. Or, Christ est mort pour nous délivrer de ce siècle présent et de tout ce qu'il met en place pour nous assujettir. Voilà pourquoi les chrétiens qui aiment le monde font tout simplement preuve de flagrante infidélité envers le Seigneur. Bien-aimé, je vais le répéter autrement. Quiconque aime le monde est ennemi de Dieu. Il est important de se le rappeler à nouveau que de même Christ n'était pas du monde. De même, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau, nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sommes envoyés dans le monde pour attester le caractère répréhensible, condamnable de ses œuvres. Mais également, nous sommes envoyés dans ce monde pour témoigner l'offre du salut à tous ceux qui croient en le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, chers enfants de Dieu, réveillons-nous et mettons de l'ordre dans nos vies. Philippiens chapitre 2, verset 15 nous demande d'être irréprochables et purs, d'être des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous devons briller comme des flambeaux dans ce monde. Dans cette édition, je viens insister sur le fait que le début de la chute, la
décadence d'un croyant se trouve dans la désobéissance, dans la distraction. Bien-aimé, le début de la chute du croyant se trouve dans son endormissement spirituel, l'éloignement d'avec Dieu, la négligence de tout ce qui est saint, la banalisation même du péché, la conformité au monde et à ses rouages, la non-prise en compte en considération des avertissements, conseils spirituels, la non-écoute de la voix de Dieu qu'on a été par amour pour la chair. Ce rappel est nécessaire car au moment où je donne ce message, bon nombre de croyants sont endormis et plusieurs parmi eux ont même abandonné leur premier amour. Et pourtant, ils sont assidus tous les dimanches au culte, mais ils mènent des vies pires que certains païens. Aucune sanctification. La voix de l'esprit est complètement éteinte en eux à cause de la conformité au monde. Inutile de rappeler que nous évoluons au milieu de plusieurs distractions que tous les jours les démons et l'adversaire mettent en place. Il y en a de plus en plus et c'est à portée de main. Toutes ces distractions ont pour but de nous éloigner de Dieu, de provoquer un désintéressement graduel. C'est une spirale pour le spirituel, d'éteindre le feu de l'esprit, la ferveur, la crainte, le respect des valeurs de Dieu en nous. Et cela partant de tout et n'importe quoi, commençant par tous ces appareils, dont le téléphone, les réseaux sociaux, qui dès le matin nous distraient avec des futilités qui ne nous amènent nulle part si ce n'est que dans une lourdeur spirituelle. Et il en est de même pour les réveils où on court directement pour le travail, on s'occupe de la famille, des enfants et j'en passe. Gloire à Dieu pour la famille, mais souvenons-nous que dès le réveil, notre premier réflexe, nos premières pensées doivent se tourner d'abord vers le Créateur et ensuite seulement viendront le reste. Je ne terminerai pas sur ce point sans mentionner également les compagnies bien-aimées avec qui marchons-nous au quotidien. Attention aux compagnies qui cherchent toujours à nous entraîner dans leurs péchés de commérage, perdition et autres. Attention aux personnes distraites spirituellement qui, elles, ont tendance également à distraire les autres. Bien aimé, si nous voulons voir le changement en cette année 2024 s'opérer dans nos vies, si nous voulons véritablement expérimenter ce qu'est le véritable réveil spirituel, alors mettons de l'ordre dans nos vies. Le Dieu que nous servons nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33, qu'il est le Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance et la parole nous dit Dieu au commencement. La première place revient à Dieu et à lui seul. Et comme je l'ai mentionné tantôt dans les versets d'introduction à peine lus, il est certes vrai qu'il s'agit des instructions adressées dans l'Ancien Testament aux sacrificateurs au travers de Moïse. Mais ces instructions s'adressent également à nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Je redis encore que nous aussi, nous sommes sacerdoce. L'Apocalypse chapitre 1 verset 6 dit que Jésus-Christ a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, l'amour de Jésus-Christ ne s'est pas seulement limité à nous purifier, mais il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs saints pour Dieu. Et donc, nous devons offrir continuellement, permanemment des sacrifices spirituels à l'Éternel. Notre personne entière, nos biens, nos louanges, nos services, tout ceci en proclamant toujours les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est à lui seul que nous devons donner la gloire, l'honneur, l'adoration, la louange, car il en est digne. Oui, bien-aimé, en cela nous devons comprendre que toutes les pratiques cérémonielles de l'Ancienne Alliance sont riches en enseignements pour nos vies, car ces formes rituelles de culte constituaient des moyens de communication entre Dieu et son peuple. Il fallait accompagner les prières d'actes symboliques qui exprimaient à la fois l'amour, la repentance du peuple et son plaidoyer afin de recevoir pardon, réconciliation, grâce et faveur de la part de Dieu. Aujourd'hui, le sacrifice de Christ à la croix ne nous demande plus de faire tout cela, car il est dit en Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint,
non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Aujourd'hui, Dieu attend de nous que nous nous offrions entièrement à lui. Et cela passe par la conservation de la flamme allumée sur l'autel de nos cœurs. Bien-aimés, comment sommes-nous spirituellement? Dans quel état sommes-nous spirituellement? Sommes-nous endormis? Sommes-nous éveillés? Sommes-nous chauds, froids ou alors tièdes? Réveillons-nous et sortons de la distraction. Car pour certains, la vie ploie sous d'énormes challenges, mais qu'ils n'arrivent même pas à discerner à cause du manque de lucidité spirituelle. Et pourtant, plusieurs parmi nous, en fin d'année 2023, ont pris des engagements spirituels devant Dieu. Ayant fait leur bilan et en se rendant à l'évidence que l'exaucement attendu durant tout 2023 n'était pas arrivé et conscient de leur état spirituel, je redis bien que certains d'entre nous, avec enthousiasme, ont pris des résolutions spirituelles, mais qui, au jour d'aujourd'hui, sont complètement envolées car se retrouvent dans cette spirale. C'est le retour au train quotidien. Bien-aimés, réveillons-nous. Et ne faisons pas Dieu menteur dans l'accomplissement de ce qu'il nous promet dans sa parole. Examinons nos vies et si nécessaire, remettons de l'ordre. Car Dieu n'a pas changé, il parle encore, il donne encore des instructions claires, il bénit encore. Dans quel état sommes-nous? Nous devons toujours nous rappeler que nous nous trouvons dans une compétition spirituelle où l'adversaire, les sorciers frappent fort. Mais les chrétiens, malheureusement, sont endormis, aveuglés. Certains se trouvent dans des défis de santé assez importants et costauds, mais sont complètement distraits et au lieu de se placer devant Dieu, ils passent le temps à vaquer à tout et n'importe quoi. D'autres vivent des situations familiales ou alors des situations terribles sur les différents lieux de service. Ils s'en plaignent encore et encore en longueur de journée, mais ne s'arrêtent pas pour examiner spirituellement toute chose à la lumière de la parole de Dieu et sérieusement se placer devant le Seigneur, invoquer son secours, prier et se détourner de toutes sortes de choses qui pourraient faciliter un quelconque accès de l'adversaire dans leur vie. Bien-aimés, nous sommes alourdis, fatigués, paresseux spirituellement, tandis que nos enfants devant nos yeux sont en train de se perdre. Les conjoints dans les foyers s'éloignent de plus en plus. Les vies même vont à la dérive. Bien-aimés, rappelons-nous ce que Paul nous disait. Nous sommes dans une compétition spirituelle contre Satan et les démons qui agissent terriblement pour détruire les vies. Et cela passe également par l'éloignement d'avec Dieu qui, lui, est notre protection, notre bouclier. Il est la lumière. Attention aux ténèbres que nous procure la distraction au quotidien. On réussit à vaincre la sorcellerie au quotidien quand on demeure proche de Dieu. Qui s'éloigne de Dieu? Dieu qui est la vérité s'éloigne de la lumière et tombe directement dans les filets ténébreux sataniques du mensonge, qui eux marchent avec le doute, la peur, le découragement et devient une proie facile pour l'adversaire et les démons. Les versets d'introduction nous ont dit que déjà dès l'Ancien Testament, il y avait une série de choses à observer dans le temple afin que le feu ne s'éteigne jamais. Nous aujourd'hui sommes le temple du Saint-Esprit comme le dit 1 Corinthiens 6 verset 19. Bien-aimés, nos corps appartiennent à Dieu, car nous avons été rachetés au très grand prix, le sang de Christ. Arrêtons de livrer nos membres au péché, comme le dit Romains 6, verset 13, comme des instruments d'iniquité. Offrons plutôt nos membres à Dieu comme des instruments de justice. Protégeons nos vies spirituelles. Faisons attention à ne pas laisser des choses sales, le péché, la compromission sous toutes ses formes, éteindre le feu que Dieu a allumé en nous. Je redis encore que nous sommes des sacerdoces royaux, comme le dit 1 Pierre chapitre 2 verset 9. La race élue, sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Comment est l'autel de ton cœur, bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce jour? Comment est ta vie spirituelle? Est-ce que cette flamme est allumée? Est-ce que tu es fervent ou fervente? Vas-tu en profondeur avec Dieu? Le recherches-tu quotidiennement? Est-ce qu'il a même d'ailleurs la première place dans ton cœur? Examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi et éprouvons-nous nous-mêmes, comme dit 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Et si nous lisons le chapitre
chapitre de ce Lévitique 6 en entier, nous verrons que les sacrificateurs devaient continuellement, quotidiennement nettoyer l'autel, enlever les cendres ou encore la poussière. Ils devaient faire le nettoyage. Tout comme nous aussi, bien-aimés, tous les jours, nous devons nous sanctifier au travers de la parole de Dieu, rejetant toute forme d'amertume, animosité, colère, clameur, toute forme de calomnie et toute espèce de méchanceté, telle que nous le dit Éphésiens 4, verset 31. Bien-aimés, je vais insister et le redire. En cette année 2024, il est temps de se séparer de toutes choses qui nous alourdissent spirituellement. Colossiens chapitre 3 dit que si donc nous sommes ressuscités avec Christ, recherchant les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car nous sommes morts et nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Verset 5, il est dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Versets 8 et 9, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Bien-aimés, voilà le nettoyage à opérer dans nos vies au quotidien. Et après avoir enlevé toutes ces cendres sur l'autel de nos cœurs, tout comme les sacrificateurs devaient le faire, nous devons allumer avec du bois, arranger l'holocauste, brûler la graisse des sacrifices d'action de grâce. Nous aussi, après tout ce nettoyage-là, à l'aide de ce bois, symbole de la croix, du sacrifice de Christ, nous devons allumer le feu, avoir des vies de prière, d'adoration, louange, consécration. Je rappelle le Hébreux 13, verset 15, qui dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Conscient que faute de bois, le feu s'éteint, comme dit Romains 26, verset 20. Bien-aimés, nous devons protéger nos vies spirituelles. Nous devons protéger l'autel qui est le cœur. Et nous devons alimenter nos vies spirituelles avec la parole de Dieu. Car si nous n'alimentons pas cette vie spirituelle au travers de la parole de Dieu, les prières, les louanges, l'adoration, si on ne se nourrit pas de cette parole qui nous fortifie, qui nous édifie de l'intérieur, si on ne recherche pas la sainteté, le feu va finir par s'éteindre. Si nous avons déjà fini de nettoyer nos cœurs, nos vies, de toute mauvaise action, de toute mauvaise relation, nous devons aimer passer du temps avec Dieu, prier, chanter, adorer. Tout cela alimente le feu sur l'autel qui est le cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.